La passion pour la cuisine me vient de ma plus tendre enfance parce que ma papa était fermier. Il y avait toujours des festivités, les week-ends assez importantes, où je voyais passer les pintades, les foie gras, les saumons fumés. Donc j'avais la chance de côtoyer des produits d'exception que papa élevait ou faisait pousser. Et tout naturellement, à 14 ans, quand j'ai décidé d'arrêter l'école, je me suis tourné vers la cuisine. C'est ce qui me réjouit, c'est ce qui me fait du bien. Durant toute ma carrière qui commence à être longue et bien chargée, parce que j'ai commencé dans les années 70, les produits n'ont pas tellement changé. Parce qu'on a toujours eu la chance en France d'avoir un territoire riche avec des artisans très forts. Ce qui a vraiment changé, qui a complètement révolutionné notre métier, c'est le matériel. Grâce au matériel, on a un métier qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable. J'ai eu la chance de rencontrer Cookit, voilà, c'est par l'intermédiaire d'amis. Donc je l'ai testé, j'ai envie de dire, je l'ai adopté. Sur les recettes classiques traditionnelles que je faisais dans une cocotte ou dans une marmite, je les ai transférées et je les ai mis dans Cookit et j'ai le résultat qui est identique, voire supérieur, parce que j'ai confiance à la machine et qu'elle fait exactement les mêmes gestes que moi je pouvais faire avec ma main, qu'elle fait le même contrôle avec la même précision. Ma grand-mère me faisait un magret de canard en cocotte exceptionnel. Eh bien, je fais le même magret de canard avec le robot Cookit pour la bonne et simple raison, c'est qu'il monte jusqu'à 200 degrés. Donc, je peux bien le caraméliser, faire fondre juste la graisse, ce qu'il faut, et la croustiller. Et surtout, étant donné qu'il a un fond plat, on peut avoir cette excellence de caramélisation et on peut le faire bien sûr avec le magret de canard, mais avec toutes les viandes rôties. Cookit est une véritable cocotte contemporaine. La première recette que j'ai mise au point pour Cookit, c'est la crème citron. Je me suis dit, tant qu'à commencer, commençons par le plus délicat et le plus difficile. C'est d'une précision et d'une difficulté sans nom. Et le résultat, il est bluffant. Je crois même qu'elle est meilleure que celle que je fais de façon traditionnelle, parce qu'elle est plus fine, plus soyeuse, plus équilibrée et surtout avec une onctuosité rarement atteinte. Et cette fameuse crème au citron, demain, grâce à Cookit, vous pouvez la réussir en deux tours de main. C'est un robot qui va nous faciliter la tâche dans notre quotidien pour réussir des recettes d'exception. Donc, autant amateur que professionnel, je peux le conseiller et j'ai envie surtout de leur dire, essayez. Ma recette préférée, c'est celle que je vais faire demain. Et je sais que grâce à Cookit, la recette que je ferai demain, ça sera la plus belle recette que j'ai jamais faite. Alors, celle que j'ai fait aujourd'hui, j'ai cuit des fraises et des pommes à la vapeur. J'ai récupéré après au fond du robot l'eau, c'est-à-dire qui était très colorée parce que le jus des pommes et le jus des fraises avaient coulé dedans. J'ai mis de la verveine à infuser et j'ai donné à ma fille une cuillère de compote pommes-fraises bien glacées avec un petit shot d'eau de cuisson. C'était juste parfait en accord. C'était surtout très parfumé et très très bon pour la santé, très économique, totalement anti-gaspillage. Décrire le robot Cookit en trois mots, je vais dire performance, régularité et liberté. Quand on veut faire un sauté, par exemple, un bourguignon ou un sauté de veau, on a une caramélisation qui est indispensable pour avoir de la qualité finale de la viande. Et Cookit, qui est très très performant justement par rapport à la température, qui monte jusqu'à 200 degrés, permet d'avoir cette caramélisation régulière par aussi le bras qui peut tourner selon ce qu'on veut, entre 2 et 5 secondes. Ça, c'est de la performance, c'est la performance de haut niveau, de haute gastronomie. La régularité, c'est qu'on peut reproduire à l'identique une recette. Et Dieu sait que c'est la chose la plus difficile en cuisine. On sait que la régularité, c'est la base du grand cuisinier. Et grâce au robot Cookit, par rapport à sa précision de température et sa précision de temps, on y arrive à le faire sans aucun problème et surtout sans aucun effort personnel. Et le dernier, le plus important peut-être, c'est la liberté. Quand je dis liberté, c'est de la liberté du temps. On n'a plus qu'à lancer l'ensemble de la recette et le laisser faire, ce qui nous permet d'avoir du temps personnel pour aller lire, pour s'occuper des enfants et pourquoi pas pour mettre la table. J'ai trouvé peut-être le compagnon le plus fidèle que je peux avoir en cuisine parce qu'il m'accompagne bien, il m'aide bien et il me soulage.